Lorsqu'il reprit ses esprits, il était étendu sur le sable. La douleur dans ses reins était atroce. Autour de lui, la plage était jonchée de cadavres d'hommes et de chevaux. Il rampa jusqu'au grand corps d'un destrier agonisant. S'y mit à l'abri. Là-bas, entre plage et forêt, quelques dizaines d'hommes se battaient encore. Au milieu, le roi et Kay, le sénéchal. Ils étaient 10, 20, 30 contre eux. Gauvain tenta de se redresser. Il devait se porter au secours d'Arthur, son suzerain, son oncle, mais ses jambes ne lui obéissaient plus. Son roi allait mourir, vaincu par des adversaires trop nombreux. Il vit Mordred dans sa prétentieuse et ridicule armure d'or qui se tenait à l'écart du combat, les yeux rivés sur les derniers combattants qui assaillaient un Arthur solitaire. « Lâche, murmura-t-il, sale couard, mais il ne pouvait rien faire. Sa blessure l'avait privé de l'usage de ses jambes. Il se traîna contre le cadavre chaud du cheval et appuya sa tempe. « Prenez garde !» L'appel venait de sa gauche, il tourna la tête. Un autre groupe se battait au bord du sable. Galehaut et Erec qui avaient quitté le château de Carduel pour prêter main forte à leurs amis. Comme Arthur et Kay, ils affrontaient une nuée d'adversaires. Le sang de multiples blessures maculait leur auberge. Et un cavalier se jetait dans la mêlée. Il ne portait aucune arme, aucune protection. Sa barbe était grise. Gauvain, le voyant, en oublia l'effroyable douleur de ses reins. Cette allure, ses épaules. L'homme à barbe grise et en simple chemise, comme s'il ne craignait ni les coups ni l'hiver, toucha en 3 coups vifs comme la foudre 3 adversaires. Il entra dans la mêlée comme une lame dans une chair. En très peu de temps, 10, 15, 20 cavaliers furent tués ou mis à terre. Il semblait que chacun de ses coups touchait son but. Cette allure, cette façon de combattre, l'homme à barbe grise moulina une dernière fois de son épée et lança à Galehaut. « Romps l'assaut, dégage-toi » Galehaut obéit aussitôt à cet ordre, mais non sans s'exclamer « Monsieur, monsieur, c'est vous ?»« Et qui veux-tu que ce soit ?» répliqua l'homme à barbe grise, auquel soudain Gauvain donna son nom. « Lancelot, dégage-toi, te dis-je » « Lancelot. » Gauvain éprouva soudain une grande paix, un immense soulagement. Son ami était vivant et de retour et lui-même n'aurait plus à protéger le roi. Le meilleur chevalier du monde, sorti d'il ne savait quelle limbe, s'en chargerait. Là-bas, Kay venait d'être abattu d'un coup de masse. Arthur était seul. « Le roi ! Va sauver le roi !» voulut lui crier Gauvain. Mais sa voix ne portait plus assez loin. Il était mourant. « Le roi ! Va sauver le roi !» Il fit un effort pour ne pas s'évanouir. Et il fit bien, car ce qu'il vit alors le réjouit davantage. Peut-être que tout ce qu'il avait connu d'instants de bonheur dans sa vie. Dès que Galehaut lui eut obéi, Lancelot précipita son cheval à l'assaut des guerriers roux qui encerclaient Arthur. Il en culbuta 3 en autant de coups d'épée, fit reculer les autres et dit au roi « En arrière, sire, en arrière, je vous protège !» et se jeta sur les Saxons qui hésitaient entre le combat et la fuite. Il en tua 2, échangea quelques coups avec un 3e et les survivants s'enfuirent. Il ne resta plus, sur les 500 pas séparant la plage et la forêt, que des centaines de cadavres et de blessés. Et Mordred, seul, dont le cheval piaffait, et Arthur, seul, qui descendait de son cheval et se précipitait vers Gauvain, auprès duquel déjà Galehaut s'était agenouillé. Mon neveu, mon ami, je vous dois 20 fois la vie au cours de cette bataille. Vous ne pouvez pas mourir. Mais Gauvain ne regardait ni Galehaut ni Arthur. Ses yeux ne lâchaient pas Lancelot, toujours à cheval, s'approchant de Mordred, qui criait vers le ciel « Ma mère, ma mère, ne m'abandonnez pas, ma mère !»
Arthur s'accroupit près de Gauvain. Mon neveu préféré, comment vas-tu? Je crois que la Providence a décidé que je vous abandonnerai là, sire. Ne pleurez pas, je vous en prie. Vous me perdez, mais vous retrouvez le meilleur des chevaliers, Lancelot. Gauvain, taisez-vous, sire, écoutez-moi. Et toi aussi, Galeot. Dites à Lancelot que peu importe ma mort, je l'ai cherchée. Elle ne vous était pas due, mon roi, mais je devais tout faire sans craindre qu'elle survienne. Dites-lui que je suis fier qu'il se soit lui aussi conduit comme votre chevalier. Je meurs, et je vous ai laissé à la merci de vos adversaires. Il est vivant, et il vous a sauvé. Il est meilleur chevalier que moi. Vous devez l'aimer, sire, comme il vous aime. Gauvain, tu ne sais pas... Je ne veux pas savoir, sire. Je sais que lorsque j'attendais le retour de Lancelot debout, toute la nuit, dans une tour, Guenièvre l'attendait aussi, dans l'intimité de sa chambre. Je sais cela, sire. Gauvain fit l'effort de se tourner sur le flanc et prit le poignet d'Arthur. Je sais aussi que jamais ils ne vous ont trompé, ni de leur corps, ni de leur foi. Le reste, ce sont des faiblesses humaines. Les doigts de Gauvain serrèrent plus fort le poignet du roi. Promettez-moi, sire, promettez à un mourant que vous leur pardonnerez, que vous leur avez pardonné. Arthur se pencha sur Gauvain, dont la voix n'était plus qu'un souffle. Pour toi, je veux bien faire cette promesse. Merci. Ce ne fut qu'un soupir. Le dernier de Gauvain, parangon de chevalerie, favori des dames, et qui, parce qu'il avait choisi la légèreté, le plaisir et le bonheur facile, n'avait jamais été jugé à la hauteur de sa prouesse. Gauvain mourait, et avec lui c'était tout un art de la politesse, du courage qui s'éteignait. Galeot pleura. Mais Arthur resta les yeux secs. Il se sentit saisi par une colère sans pareille. Il se redressa, regarda effaré autour de lui. Des morts, des morts, des morts et du sang et de la boue. Ce n'était pas pour cela qu'il avait été roi. Et s'il avait une nuit commis une faute en faisant un enfant à Morgane, le monde entier devait-il la payer à présent? Il n'y avait plus de vivant autour de lui que Galeot, et dépenaillé, blafard et gris comme un spectre à cheval, Lancelot. Mon règne ne s'achèvera pas par un jour si cruel, dit Arthur. Le soleil se couchait lentement sur la mer, et là aussi, c'était du sang qui s'épandait sur la mer, comme pour se joindre au sang de toutes les victimes de cette bataille sans merci. Mordred ! Cria Arthur. Mordred ! Qui est la cause de ce désastre ? Toi ou moi, ou nous ensemble ? Mordred était là, à 200 pas, ruisselant d'or parmi des monceaux de cadavres. Arthur se tourna vers Galeot. Donne-moi une lance. À ce moment, le cheval de Lancelot s'arrêta près du roi. Sire, laissez Mordred à sa défaite, dit-il. Il n'a plus d'armes, il n'aura jamais plus d'alliés. Vous avez gagné. À quel prix, répliqua Arthur, la mort imbécile de toute une génération d'hommes de valeur. Nous sommes encore là, sire. Qui ? Vous ? Galeot et moi, si vous l'admettez. Le roi hocha longuement la tête, en silence. Puis il tendit la main vers Galeot, qui lui présentait une lance. Il l'assura sous son bras, en soupesa l'équilibre. Vienne la mort, vienne la vie, Lancelot. Tu m'as pris, Guenièvre, l'essentiel de ma vie. Elle vous attend, sire. Elle vous a toujours préféré, répondit Lancelot. Préféré n'est pas aimé, répliqua le choix. L'amour n'est pas un choix. Pardonnez-moi, sire, répliqua Lancelot, mais vous avez tort. L'amour est comme une bataille. N'en survivent que quelques-uns. T'en fais partie, hein? Que dois-je croire? Laissez-moi affronter Mordred, le vaincre et m'en aller.
je vous fais le serment que vous ne me verrez plus. » Tu es sans doute plus fort que Mordred, dit Arthur, en hochant lentement la tête. Mais moi, voilà qui m'intéresse. Sire, ne faites pas cela. Tu n'as rien à m'interdire. Arthur leva la pointe de sa lance et s'adressa à Mordred, dont le cheval errait entre les corps. Achevons cette bataille. Tu crois qu'il est question de la suzeraineté de mon royaume et de nos îles? Non, Mordred. Il n'est question que de toi et moi. Je vous hais, hurla Mordred. Qu'avez-vous fait de Morgane, de ma mère? Il n'est pas non plus question de ta mère. Cette affaire est entre nous. Décide-toi. Mordred cingla la croupe de son destrier, partant au galop face à Arthur. Il s'exclama : Pour Morgane! Pour ma mère! À quoi la voix fatiguée de Lancelot répondit pour le roi. Dieu vous soit en garde. Arthur empoigna sa lance à deux mains et il se mit à courir face à Mordred. Il ne chercha pas à embrocher le cheval. Mordred avait sorti son épée du fourreau, relevé son écu, prêt à recevoir le choc. Arthur avait une grande habileté, frappa le cavalier sous le bouclier. La lance, au défaut de l'armure, se planta dans le haubert, le déchira et transperça Mordred. Fiché à la hampe de la lance comme un gibier à une flèche, Mordred fut arraché à sa selle. Son cheval poursuivit sa course tandis que son cavalier, embroché par les entrailles, retombait miraculeusement sur ses pieds. N'importe qui, à sa place, serait mort sur le champ. Lui, quand il comprit que sa blessure était mortelle, se projeta en avant de toute la force qui lui restait. La lance s'enfonça jusqu'à la garde. Mordred n'avait pas lâché son épée. Il frappa son père Arthur et l'atteignit à la tempe. Tous deux s'écroulèrent. Mordred mourut presque instantanément. Quant au roi, Galeot et Lancelot se précipitèrent à sa rescousse. Une longue et profonde plaie lui avait ouvert le crâne. Il était conscient encore, mais il était trop tard pour le sauver. « Sire, sire, dit Galeot, que pouvons-nous faire ?» Le roi, dont tout le visage était ensanglanté, tourna péniblement la tête. Le soir tombe, fera bientôt nuit. J'entends des bruits. Que se passe-t-il? Le chevalier nouveau et le chevalier à barbe grise levèrent les yeux vers le champ de bataille. La nuit tombant, des ombres se glissaient furtivement entre les cadavres. Des voleurs et des détrousseurs étaient arrivés, se glissant d'un corps à l'autre, d'un mort à un blessé, pour leur voler à la première clarté de la lune leurs colliers, leurs bagues, leurs joyaux et leurs armes. Ceux qui n'étaient pas tout à fait morts, ils les tuaient pour faciliter leur rapine. C'était un spectacle trop désolant pour que Lancelot ou Galeot disent au roi la vérité. « Ce n'est rien, sire, c'est le vent. Nous allons vous porter au château, nous vous y soignerons. » Ils saisirent le roi sous les aisselles, le relevèrent. Il avait le visage rouge du sang qui ne cessait de couler de sa blessure à la tempe. Il ne parvint pas à se tenir debout. « Ma tête me fait trop mal. Recouchez-moi, je vous en prie. » Ils lui obéirent. Avec mille précautions, ils l'allongèrent sur le sable. Arthur prit Galeot par le poignet. « Tu vas rendre un dernier service à ton roi. Prends mon épée. » Galeot retira l'arme du fourreau. Il lui sembla alors qu'une force étrange s'emparait de son bras. Il regarda avec une sorte de crainte scintiller la lame de cette épée légendaire, l'épée du roi de l'ogre, l'Excalibur. À présent, tu vas te rendre au bord de l'eau et tu jetteras Excalibur le plus loin possible dans la mer. Tu reviendras me dire ce que tu as vu. À vos ordres, sire.
Galeo se redressa et s'éloigna vers le rivage. La même force étrange continuait d'irradier dans son bras, jusqu'à son cœur. Quand il s'arrêta à la limite extrême des vagues, il observa la mer, presque noire maintenant, que le soleil s'était couché. Il esquissa le geste d'y jeter l'épée. Il ne l'acheva pas. Il ne pouvait s'y résoudre. C'était l'arme du pouvoir sur cette terre, c'est sur leur monde, et si elle aussi disparaissait, comme le roi, que resterait-il d'espoir de voir renaître des jours meilleurs ? Sa décision fut prise. Il cacha Excalibur sous un pan de sa cape et retourna auprès du roi, dont Lancelot, agenouillé, soutenait la tête blessée. « Voilà, sire. »« Bien. Et qu'as-tu vu ?»« Rien. Rien d'autre que la mer et la nuit qui tombe. » »« Alors, Galeo, tu me mens. Tu n'as pas exécuté mon ordre. Va, va jeter cette épée si tu veux que je t'aime encore avant mon dernier souffle. Obéis-moi. »« Mais, sire, tu ne dois pas hésiter si tu m'aimes. » Accablé, Galeo regarda Lancelot pour quêter son soutien. Mais le chevalier se contenta de hocher une seule fois la tête. Obéit. Alors Galeo repartit à la lisière des vagues. Il prit une profonde inspiration et jeta Excalibur de toute sa force. Scintillante, elle voltigea par-dessus la mer, retomba, et à l'instant où elle allait toucher l'eau, une vague, une longue main blanche de femme jaillit de la vague et referma ses doigts sur le pommeau. La maintient brandie vers le ciel, puis s'enfonça lentement en portant l'épée avec elle. Le jeune chevalier rejoignit Arthur et Lancelot. Il leur raconta le prodige auquel il venait d'assister. « Parfait, dit le roi. Ce qui devait être fait l'a été. Maintenant, à mon tour de m'en aller. » Il tourna péniblement la tête vers Lancelot. « Mon ami, je n'ai pas su te pardonner. La mort le fera à ma place. Sache pourtant que tu m'as beaucoup manqué. Si tu avais été près de moi dès le début de cette bataille... Mais c'est ainsi, peu importe. Tu vas être délivré bientôt de tout serment envers moi. Guenièvre est seule à Camelot. Agis comme tu le dois. Vous allez entrer dans des temps difficiles. Les chevaliers de notre monde sont presque tous morts aujourd'hui. Il y aura de grands désordres, et nul ne sait quel nouveau monde ils engendreront. Que Dieu te vienne en aide. » Des larmes roulaient sur les joues de Lancelot, s'accrochaient à sa barbe. Il ne prononça pas un mot. Il se pencha et baisa le roi à la tempe, à l'endroit même de sa blessure. « Finissons-en, murmura Arthur. Portez-moi sur le ponton de Carduel. On m'y attend. »